dans le passé. Je vous ai réunis aujourd'hui afin de... Waouh, bravo! Vous êtes le meilleur patron! Je n'ai encore rien dit, sale lèche-motte! Je souhaite construire la ville futuriste de Delta City, mais avant, nous devons nous débarrasser de la plaie qui imprègne la ville de Détroit, les pauvres! Ils se plaignent tout le temps, ils sentent mauvais et ils vont même manger chez Flunch! Oh mon dieu! C'est un scandale! Mais j'ai trouvé la solution! Le D209! L'éco-dépisteur de 109, en plus d'avoir un don de merde, est incroyablement lent. Il fonctionne sous Windows 98, risque de tirer sur tout ce qui bouge à cause d'une erreur d'avast et ne peut rentrer dans une pièce d'au moins de 30 mètres carrés. Monsieur Kidney sera notre cobaye! Pourquoi moi, monsieur? Vous êtes le moins payé de la boîte. T'es donc le plus dispensable et ferme ta gueule et menace le robot géant! Veuillez poser votre arme ou je vais faire feu dans 20 secondes. Et Kidney, 2x10. Piu 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 piu. Votre démo est décevant. On n'allait pas mettre de vraies balles pour une démonstration. Hey, il est con lui! Dans une réalité alternative où l'auteur n'est pas hématophobe! Pour ma défense, je suis sûr qu'il était pauvre. C'est pas grave, on peut se contenter du prototype, il est pas si mal. Vous appelez ça pas si mal? Bah moi monsieur, mon projet il est mieux monsieur, même qu'il est bien meilleur que celui de Johnson monsieur, il est 1000 milliards de fois mieux monsieur. Votre voix d'enfant attardé me plaît, dites-moi plus. On prend un flic à moitié mort et on le place dans une machine. C'est une belle idée de merde, mais ça fera vendre un paquet de jouets pour les gosses, je valide. Merci monsieur. C'est moi son préféré. Oh la salope. Dans le présent. Salut, Alex Murphy, je suis nouveau et j'ai besoin d'un casier. Ça tombe mal, tous les casiers sont prêts. Johnson est mort. Un casier vient de se libérer. Lewis, emmène-le en patrouille. Hé Lewis, regarde tout ce que je peux faire. Oula, olé. On va arrêter plein de méchants aujourd'hui, hein Lewis. 50 dollars que tu tiens pas l'après-midi. C'est ainsi que l'optimisme est allé se faire foutre. On est que deux et on n'a pas trop fort. Je propose qu'on se sépare. T'es un génie, Murphy. Scooby-Doo m'a tout appris. Bouge pas, hein. Fais voir tes mains. Déjà, on dit s'il vous plaît. Hey, mes yeux sont plus hauts. Oh, ma curiosité pour le sexe noir me perdra. Oh, pas un geste. Bande de criminels. On joue un, deux, trois soleils. Ok. Pan, t'as perdu. J'ai pas bougé. Ah, ah, ah. Putain, elle est toujours en vie. Soit il est très résistant, soit vous savez pas viser, les mecs. Murphy, je te jure que j'avais envie d'intervenir, mais j'avais peur d'en prendre une. Mon pauvre. En fait, tu me dois 50 dollars. Transition. Voilà, le premier robot flic est prêt. Il a quoi comme gadget? Son cul fait toaster et machine à glace. Du chocolat. T'en es sûr? Quelles sont les directives que je t'ai données? 16h, c'est l'heure du donut. Et les poulets sont nos amis, on les mange pas. Parfait. Va casser du voyou. 5 hours later. Alors, ça donne quoi? J'ai mis 2 contraventions. Décevant. On peut pas avoir une nuit à jeter à tous les coups. Il a intérêt à faire mieux demain, je vous dis ops. Après avoir massacré un bon paquet de truands pauvres, Robocop a décidé d'arrêter tous les enfants des États-Unis avant qu'ils ne deviennent des criminels, afin de vaincre le mal à sa source. Robocop, auriez-vous une déclaration à faire à vos futures victimes? C'est le prochain sur la liste, Jason. À présent, une page de publicité. Jean-Claude, je te veux. Non, femme, vous ne prendrez pas ma virginité. Non. Hey. Mais allez, Jean-Claude, je peux pas résister, quoi. Pourquoi je n'ai pas encore perdu ma virginité? Parce que je ne perds jamais rien. Aïe karaté, pour les gagnants. Pas pour les perdants. Rendez-vous ou je serai forcé de faire un play of the game. Play of the quoi? Play of the game. Clarence Bodiker, accepteriez-vous de faire un placement de produit pour Carglass? Va te faire foutre! Soumettez-vous à la pub? Jamais! Ok, ok, j'ai même un slogan! Carglass, des vitres, on est les as! Slogan à chier, option refusée. Carglass répare, Carglass remplace! Option validée. Merci pour votre coopération. Une dernière pour la route. Mais bordel! Murphy, dans l'usine, on dirait que c'est le Punisher qui a fait le ménage. J'ai sûr de vouloir arrêter les criminels. J'arrête leur battement de cœur. Ça compte pas. Transition! Selon le code du respect de la vie humaine, il est indiqué que vous correspondez à un authentique sac à merde. Très bien, arrêtez-moi. Quel est ce virus? Je l'ai implanté dans votre programme au cas où vous essayeriez de m'arrêter. Trop de fichiers pornographiques. C'est le protocole début de carrière. Avant d'être patron dans une usine d'armement, fallait bien commencer quelque part. Vas-y, le D209, apprends-lui le respect. Au secours, achevez mes souffrances. Bonsoir, collègues, c'est déjà l'heure du donut. Préparez un perfeu. Un être humain, c'est dégueulasse de faire ça. Tirez ou vous êtes viré. Ah bah dis comme okay, ça. Ok, j'ai rien dit. Je l'ai jamais vu de ma vie, ce mec. À volonté.
Aïe, aïe, heureusement que je ne suis plus humain. Sinon, je hurlerai comme vos darons un week-end au Moulin Rouge. Oh bah, ils t'ont pas loupé, hein. Il faut que j'analyse ce qu'il y a sous mon casque. Morphine, n'oublie pas que ce qui compte, c'est la beauté intérieure. Oh, mais la beauté extérieure, ça compte aussi, hein. C'est quoi cette merde? Pourquoi je ressemble au téléphone dans Téléchat? Pas le temps de dramatiser, l'homme bicentenaire, y'a des méchants dehors. Pour citer l'artiste Fatal Bazooka, chienne de vie. T'aimes les sucreries, Clarence? Quel parfum! Sang. Morphine, je souffre, hein. C'est pas un concours, Lewis, sinon je serais gagnant. Tu veux parier? Connais-tu la définition de la souffrance? Oups, mauvaise vidéo. Dick Jones, vous êtes en état d'arrestation. Pour quel motif? Dick Jones enfreint le code du respect de soi. En effet, son prénom signifie pénis en anglais, ce qui bafoue les règles de la crédibilité. Non, y'a que la vérité qui blesse! Attaque hydrocanon. Attaque bulle d'eau. Pouvoir nager avec les dauphins. Tartare. Oui, mais pas le Pokémon. On a intégré un flic stable psychologiquement dans une machine, ce serait pas mieux d'y mettre un psychopathe? Faudra passer sous mon bureau pour que je valide une idée aussi teubée. Déjà fait il y a 2 heures. Ah merde, c'était vous! Vous pensiez à quel candidat? Kane, un criminel qui se drogue avec des pastilles à la fraise. C'est tellement con que ça pourrait marcher. Faites croire au Robocop que c'est un vampire, histoire qu'au moins un des personnages prenne ça au sérieux. Enfin, on s'affronte, Dracula! Je suis pas un vampire, abruti! Juste un hippie qui aime être en peignoir! Ton hypnose ne marchera pas, Dracula! Oh bon sang! Ah, je le savais! Aïe, vous m'avez encore arraché le bras droit. Vous êtes pas sérieux, sans déconner. On va jouer au docteur, mon grand. Le roleplay n'est pas un de mes fantasmes, mais c'est gentil de proposer. Je n'ai peut-être plus de testicules, mais vous me les brisez sévère. Oh bordel, Murphy, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Et regardez, Murphy, c'est un monsieur patate. Le respect, ce n'est pas ça. Il fait partie de mon service. Vous allez me le remettre sur pied. Murphy, notre produit. Si on décide de lui mettre la main dans le cul pour imiter Kermit la grenouille, on le peut. Le respect, ce n'est toujours pas ça. Être un flic normal ne suffit plus face à la racaille. Il doit être mieux conditionné pour affronter ce monde cruel. Lancez le protocole, Lascar. Et la Miss aux chevelis, t'as pas un 06? Oh, vous êtes ridicule, Morphy. Et Miss Lewis, ton nom, ça rime avec pénis. Et attends, t'es masse bouffon. Police! Ta mère, elle fume des tubes. Viens voir, ce gamin voulait braquer le magasin. Voilà, choqué, déçu, les 2000 deviennent de plus en plus Fortnite. Vous voulez juste piquer la version deluxe de Fortnite? Bah les couilles frère, répondez à ma question. Vous auriez pas vu ce bâtard de Jason? Eh gars, t'as vu Jason? Appelle les Ndek, appelle les Ndek. Ndek en arabe, ça veut dire attention, Murphy. Libéré. La crime. Transition! Ok, alors on a Mickey dans le rébo, je vais en sûr, mais pas de quoi s'inquiéter. Je démissionne. Peut-être il a juste besoin d'un ami. Allez, câlin! Lâche-moi, lâche-moi! On s'amuse, Kane! Ha, ha, ha! Ah, j'ai la migraine! Oups, j'ai été trop fort. Chérie, je reviens de Paris Manga. J'ai acheté un super Dakimakura, il est trop bien et trop grand. Et moi, où est-ce que je vais dormir, du con? M'en fous, j'ai une nouvelle waifu. Est-ce un mirage? Non, c'est Mire. On a besoin de toi pour choper des punks, Murphy. Où sont les renforts? Ils sont en grève. On veut plus de récré et moins de devoirs. On veut aussi plus de sieste entre les interventions. Et pouvoir sucer notre pouce quand on veut. Tu nous auras jamais. Or, si seulement je pouvais marcher plus vite. Prends ça, fumier! Ouch, ouch, attendez les mecs, on peut dire je pète le feu. Ah, ah, ah. Oh, c'est pas vrai, Morphy, tu recommences à faire des blackface? Non, ce n'est pas moi. Ici, l'OCP, rendez-vous sans faire d'histoire. Pour quel motif? Murphy a fait une blackface, et le réalisateur va se choper un procès au cul si on vous arrête pas. On se rendra jamais, il faudra nous passer sur le corps. Ok. Dommage, tu étais à peine à 35 ans et 51 jours de la retraite. Morphy, j'ai froid. J'en ai marre, tout le monde m'appelle Murphy au lieu de Robocop. Y'a pas de respect. Vous imaginez si les gens appelaient Spider-Man Peter Parker? Putain, les spoils, Murphy. Oh. Ah, maintenant c'est toi qui me dois 50 dollars. Viens avec nous, tu seras en sécurité. Les tortues ninja? J'ai sous-fouté de notre planque. On cherche un abri. On s'en fout, dégage. Allez, quoi? Chacun son film, chacun son emmerde. Chacun sa route, chacun son chemin. Va te pendre, Mikey. Pour le bien de tous. Tu vas bien, Murphy? Ouais, je pète la four. Faut dresser le, ce qu'on va se noyer. Je vais réparer ton processeur. Pour bien faire, concentre-toi sur tes souvenirs. Repense à ta famille. Ma famille? Oui, je m'en souviens.
Attends, non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là non plus. Toujours pas ça. Ma famille, comment ai-je pu la confondre ? En parlant de famille, mes deux parents sont morts. Tu sais ce qu'on dit ? Deux de perdus, 10 de retrouvés ou quelque chose comme ça. Attendez, vous savez me déposer ? Nique ta mère ! Ricoré, les autostoppeurs, on les envoie chier. Tu es fort, Murphy. Mais tu n'es pas aussi fort que les robots samouraïs. Des robots asiatiques et donc samouraïs ? C'est tellement cliché que même Uwebo l'aurait pas osé. Tu es fini ! C'est quand vous voulez. Attaquez-le, bon sang ! Oh, mais pas comme ça, non ! Ne jamais acheter Made in China. Mais c'est des robots japonais ! Vous nous avez sauvés. Bon, ok, la moitié de la ville a été irradiée à cause de la bombe nucléaire, mais c'est mieux que rien. Que puis-je faire pour vous remercier ? Dites-moi où je peux trouver Jason, mon pire ennemi. Je t'ai enfin retrouvé, Jason. Ah, officier à terre, il est fort ce con.